Bonjour jeunes riches et bienvenue sur Jeunes Riches Monde. Le but de nos vidéos, c'est de vous motiver et de vous donner des connaissances nécessaires pour vous permettre d'exploiter votre potentiel au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour rejoindre notre communauté. Beaucoup de personnes ont comme objectif financier de gagner leur premier million. Bien que 1 million de dollars semble être beaucoup d'argent, la vérité est que 1700 nouveaux millionnaires sont créés chaque jour. 620 000 nouveaux millionnaires chaque année. Alors comment font-ils? Comment se fait-il que tant de gens deviennent des millionnaires? Et pourquoi pas vous? Tout est question de votre valeur sur les marchés. Si le marché pense que vous méritez 1 million de dollars ou plus, il vous les donnera. Il y a plusieurs façons de gagner cette somme d'argent. Et dans cette vidéo, nous allons décortiquer les façons les plus évidentes pour parvenir à gagner 1 million de dollars. Voici 7 façons de gagner 1 million de dollars. Numéro 1. Travailler pour quelqu'un qui est multimillionnaire ou encore travailler pour un milliardaire. Le moyen le plus rapide de gagner votre premier million de dollars est de travailler directement pour quelqu'un qui a gagné 1 milliard de dollars. Les riches apprécient les temps avant tout. Et ils apprécient vraiment les gens qui sont capables de leur faire gagner du temps. La meilleure façon de les faire, c'est de trouver quelqu'un qui est incroyablement riche et de les aider à gagner du temps ou à gagner de l'argent de toute façon. Vous constaterez que leur générosité est directement proportionnelle à la valeur que vous apportez à leur vie. Maintenant, avant que vous n'essayiez cela, il est important de savoir que vous devriez déjà avoir une relation de confiance avec cette personne riche. Lorsque la plupart des gens pensent aux multimillionnaires, ils voient habituellement les entrepreneurs qui créent des entreprises. Mais la vérité est que environ un millionnaire sur cinq travaille pour quelqu'un d'autre et c'est ainsi qu'ils sont devenus riches. Si vous y réfléchissez, vous êtes plus susceptible de devenir millionnaire en travaillant pour une personne riche qu'en essayant de devenir millionnaire en commençant votre propre entreprise, si c'est votre plan. Nous vous recommandons de vous trouver un mentor. Ces personnes sont prêtes à vous aider à grandir. Elles fournissent des conseils et des opportunités auxquelles vous n'auriez pas accès autrement. Si elles vous font suffisamment confiance, elles vous amèneront dans leur organisation. Numéro 2. Créer un service d'abonnement où 1000 personnes payent 83 dollars par mois. Ok, jeunes riches, il est temps que nous vous présentions ce qu'on appelle les mathématiques des millionnaires. Cela signifie de combien de façons vous pouvez obtenir 1 million de dollars par an avec un service d'abonnement. Vous devez trouver ceci. 5000 personnes qui vous payent 17 dollars par mois pendant 12 mois. 2000 personnes qui vous payent 42 dollars par mois pendant 12 mois. Soit 1000 personnes qui vous payent 83 dollars par mois pendant 12 mois. Soit seulement 500 personnes qui vous payent 167 dollars par mois pendant 12 mois. Ou bien encore moins, 300 personnes qui vous payent 278 dollars par mois pendant 12 mois. Il s'agit de trouver un service que les gens sont prêts à payer et à rester. Vous pouvez vous inspirer des modèles économiques comme Netflix, Canal+, etc. Les gens payent régulièrement pour ces services et ne s'arrêtent jamais. Netflix compte 125 millions d'utilisateurs abonnés à son service avec un minimum de 8 dollars par mois. Ils ont réalisé plus de 11 milliards de dollars de revenus en 2017. Voilà combien c'est possible. Avec moins de 10 000 personnes abonnées à votre service, s'ils sont générés, vous pouvez générer 1 million de dollars à la fin de l'année. Numéro 3. Démarrer une petite entreprise et continuer de croître. Bien que la plupart des idées sur cette liste soient très spécifiques, la plupart des gens finissent par devenir millionnaires en créant une petite entreprise et juste en la développant. Démarrer une nouvelle entreprise est toujours difficile, mais le chemin est plus ou moins le même. Quelle que soit l'entreprise que vous choisissez, tout commence par résoudre un problème et trouver comment être payé. Ensuite, engagez des gens pour vous concentrer sur ce qui est important, la croissance de l'entreprise. Tout le monde a quelques idées d'affaires en tête,
C'est juste une question de mise en œuvre. Numéro 4. Démarrer une entreprise en dropshipping sous votre propre marque. Pour ceux d'entre vous qui n'ont aucune idée de ce que c'est le dropshipping, c'est un modèle économique très amusant et intéressant où vous trouverez un fournisseur, quelqu'un qui peut créer les colis et livrer les produits à votre nom. Votre travail consiste à apporter des ventes. Voici comment cela se passe. Disons que vous avez trouvé un fournisseur qui peut emballer et livrer une montre de sport en provenance de la Chine pour 5$ la pièce. Vous allez maintenant créer un site web où vous pouvez vendre ces produits exacts pour 20$ chacun. Lorsque la commande arrive chez vous, vous envoyez les 5$ au fournisseur avec les détails de la commande qui s'occupe de livrer l'article à l'acheteur au nom de votre marque et vous gardez les 15$ de différence comme profit. Savez-vous que Kylie Jenner est devenue la plus jeune milliardaire en utilisant le modèle économique du dropshipping? Elle possède 100% de l'entreprise Kylie Cosmetics et n'a que 6 employés. Toute la production et l'exécution est sous-traitée par une autre entreprise. Son équipe s'occupe principalement du marketing et le reste se passe sans leur intervention comme par magie. Numéro 5. Achetez une franchise et faites en sorte qu'elle réussisse. Ceci va vous demander une somme assez importante au départ, mais bon, c'est une bonne façon de devenir millionnaire rapidement et facilement. Si vous n'êtes pas créatif, une franchise est un moyen simple et lucratif pour vous lancer dans les affaires, parce que quelqu'un d'autre l'a déjà optimisé pour vous. Vous avez juste besoin de vous assurer que les choses continuent d'avancer. Une franchise, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est une entreprise qui est créée avec une marque déjà établie et qui fonctionne d'une manière simple. Et cela peut être dupliqué encore et encore dans différents endroits. Pensez à McDonald's, Starbucks ou KFC. Comment ça marche? Vous contactez l'entreprise dans le but d'acheter une franchise. Il y a deux types de coûts que vous devez connaître. Les frais de la franchise standard et un pourcentage d'activité que vous générez. En échange de cet argent, l'entreprise vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour lancer l'entreprise. Vous pouvez trouver des franchises rentables à partir de 10 000$, mais selon ce que vous cherchez, il existe évidemment des options plus coûteuses. C'est à vous de trouver la bonne franchise à reproduire à une bonne localisation. Numéro 6. Devenir viral sur YouTube. Qui aurait pensé que devenir viral sur YouTube pourrait faire de vous un millionnaire? Cela dépend évidemment du type de vidéo que vous faites. Si elle est adaptée aux annonceurs qui voudront présenter leur publicité sur vos vidéos, tant mieux pour vous. En général, pour atteindre 1 million de dollars grâce à la publicité sur YouTube, vous devez vous situer entre 500 millions et 1 milliard de vues. Mais à ce stade, vous aurez déjà fait plusieurs millions de dollars grâce à d'autres opportunités qui viennent avec le fait d'être populaire sur YouTube. Et donc, étant populaire sur YouTube, vous allez vous créer plusieurs autres sources et des revenus supplémentaires. Numéro 7. Créer une application qu'1 million de personnes utilisent. Il y a encore une tonne d'argent à gagner avec les applications si vous savez ce que vous faites. Et si vous pouvez réellement offrir un service précieux. Vous devez juste créer une expérience qui donne à l'utilisateur le besoin de revenir sur l'application fréquemment. Eh ben, là il faut être un peu geek pour exécuter ceci. Ce n'est pas tout, on a un bonus pour vous. Un bonus, le numéro 8. Devenir populaire sur des réseaux sociaux populaires. Nous avons déjà mentionné le fait d'être viral sur YouTube, où vous gagnez de l'argent grâce à la publicité. Mais ce point est un peu différent. Nous ne savons pas quelle plateforme sera virale dans le futur. Mais tout le monde connaît l'histoire de Kabila, qui est devenu millionnaire en 2 ans suite à sa popularité sur TikTok. Vous pouvez toujours essayer d'être la prochaine figure incontournable d'un réseau social en produisant des contenus qui s'adaptent à l'algorithme de la plateforme. Eh bien, très cher jeune Richmond,
Nous espérons que cette liste a suscité une idée en vous. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à présent, et si vous êtes déjà sur votre chemin pour devenir millionnaire, écrivez en commentaire « Premier million ». Et nous vous souhaitons bonne chance dans votre parcours. C'est toujours formidable de savoir que vous faites partie de cette grande communauté des jeunes entrepreneurs du monde entier.